Non? Non, mais Fais quoi? faudrait que t'arrêtes. On va tester le cam, le clic, le spam. T'es en venant de Rigo, le spam, le spling, le clic, le spic et la cloque. On teste le jambon en canne issu de la Deuxième Guerre. Ils ont tous des goupilles. Écoute, dans la camoufle! Non, il n'y a pas lui. Oui, hein? En dessous. Ah! En dessous. Non. En dessous. Ouais! J'ai la clé! La moi, j'ai jamais ouvert. Parce qu'elle rend Fort Boyard. Eh où la clé? Voyons. Rends des ans. Tu peux pas manger ça. T'as jamais goûté ça. J'ai jamais mangé ça. Pour vrai? Puis à tous les fois, je passe ça à l'épicerie, je suis comme. Fait qu'on va l'essayer. Mais faut dire, tu sais, c'est plus la génération de nos parents qui ont probablement déjà mangé ça dans leur lunch à l'école. Tu sais, c'était régulier à une certaine époque. Ouais, tu es déjà tout coupé comme sur la chose? Quand tu dis ça, je me sens vieux. Parce que moi, j'ai mangé ça dans mes sandwichs à l'école. Ben, pas moi. Mais l'affaire, c'est que faut avoir des ongles pour en manger parce que la mode. Ou des outils. On dirait que tu m'inspires pas de confiance comme Myriam. Quoi tu parles? J'ai un couteau dans les mains! J'ai pas de confiance à Myriam et Eric une fois. J'ai plus de doigts. À chaque conteste, il manque des doigts. Va l'avoir, allez! Salut! Et là, faut que tu vises dans le trou de l'étiquette. Faut le trouver. Ici. Tu sais, ça c'est pour des gens très habiles. Attends. Ok! Ok! Hein? Là, Marc, prends une boîte, là, puis pratique. Et voilà, il est ouvert. Et là, on a l'arôme. Je te dirais pas qu'est-ce que ça sent. Tu veux-tu savoir qu'est-ce que ça sent, toi, à la maison? Toi, mon ami. Est-ce que t'as un chat ou un chien qui mange du César? J'ai tellement l'odeur d'une canne de bouffe à chat. Ok, c'est pas ça, Eric. C'est pas de la bouffe à chat. C'est 300 grammes de bon jambon luncheon meat. Ok, c'est juste du pain de viande. Eux autres, ils ont même pas dit quel animal. C'est que de la viande en pain. Yeah, j'arrive au bout. Ah! I got it! C'est genre du gras! Ben oui, il y a du gras! Le gras, c'est le goût! Check ça, comment ça a l'air naturel! Pourquoi qu'on essaye ça? Oh my god, ok, toi, t'as du gras gras! Ok, click! Maple Leaf! Avec. Ça faut. Ok! On a du porc! Du porc séparé, ouais, ça fait longtemps qu'ils étaient ensemble, mais ils s'entendaient plus, puis ils ont décidé de prendre leur chemin. Hein? C'est quoi du porc séparé mécaniquement? Ah, mécaniquement! Fallait que je le dise. Porc me séparé mécaniquement. Oh, amidon de maïs modifié, produit de protéines de soya, sel, sucre de canne, phosphate de sodium. Et là, le vrai test. Et voilà, il y a un truc qu'un enfant serait pas capable d'épeler. De l'érythorbate de sodium. Okay. Érythorbate. Épelle érythorbate. Accent aigu, E-R-I, Hein? C'est ça. Érythorbate. C'est ça. E-R-I-T-O-R-B-A-T-E. T'es pas loin, ça manquait de Y et de H. C'était clair. E-R-Y-H-T-R-O-B-A-T. Et ça contient du soya. Ok, attends un peu. On va faire ça comme des pros, hein. On a des petits plateaux. On a des fourchettes. Je vais faire attention parce que Olivier, il aime pas ça quand que je trimballe les ustensiles pis que je les échappe. Ah. Oui, on commence avec le pain de viande Holiday, hein, pour les vacances. Ben, le visuel, il est pas là de pas mal, si on compare... Ah non, quoi que le spam aussi. Mais couleur viande séparée mécaniquement. Y a pas d'autre couleur. Un peu pâle. Oh, on l'entend-tu? À part ça, toi, comment ça va cette année? Tu voulais-tu que je te fasse une sandwich ou deux? Alors ouais, elle sent qu'il décolle, elle sent, voilà, elle va payer, m'en refaire. Attends, je lui donne un peu d'air, là. T'as-tu tes pinces grippe? OK! C'est ragoûtant. Et c'est tendre! Ah, que ça m'inspire pas confiance, là! Mais, oh, il y a comme un deux couleurs, là. Ah, t'as réussi à slasher! Ah oh, ouais, il est slashé comme dans du cam! Je pensais que t'avais passé ton couteau à côté! J'avais même pas vu que tu l'avais tranché! Ah, man! Ah, ouais, clairement, le côté qui est en contact avec la canne n'a pas la même couleur que l'intérieur. Nous allons donc manger l'intérieur. Bon, on s'est tendu des petits croutons, là, des petits mains aux légumes pour goûter à ça. Ah oui, c'est ça qu'on teste aujourd'hui. J'aime comment...
André, on teste pas les biscuits, je t'ai dit. Moi, je teste les biscuits. Mais fais-toi. Mince aux légumes, très bon. Visuellement, c'est loin d'être gastronomique, là. On s'entend? Moi, je me suis fait un petit sandwich. Mais c'est bon. Je veux pas y toucher. Mais cheers à ton premier. C'est ton premier. OK, on fait un slow-mo pendant que tu goûtes à ça. Non, pas toi. Ouais, on dirait comme un ballon de nuit. Oh, il y a un petit arrière-goût. Bon, ça, c'est. J'ai jamais vu ça. C'était chez Walmart, tu sais, sur un fond de tablette très très bas au sol, là. Ah, mais il y a un mélange de viande dans celle-là. Il y a du poulet séparé mécaniquement, du poulet, virgule, du porc. Oui, c'est la première fois que je goûte à ça. Puis j'ai l'impression de manger du ballonné, là, carrément. Tu sais, au niveau de la texture, ballonné. Le goût, ben là, c'est du jambon. Mais tu sais, du genre du poulet pressé, là. Moi, le poulet pressé, j'aime pas ça, là. Ben, je trouve que ça goûte ça. La texture, c'est comme... C'est... Mm-hmm. Tu sais, c'est comme gélatineux, là, comme produit. Mm-hmm. Puis, c'est... Là, faut que je le remette dans la canne, hein. Ça m'écœure quand tu fais ça, Marc-André. Ouais. Arrête de toucher la nourriture avec tes doigts. Hey, sérieux. Hey, celui-là, j'avoue qu'il y a un côté un peu... c'est un peu weird. Mais comme du petit... du petit guichemu. Pourquoi les autres... Ouais, pourquoi c'est le seul qui est de même? On dirait qu'ils ont mis de la vaseline dans le pot. Peut-être qu'il sort plus facilement. Hey, mais là, d'ailleurs, c'est quoi la différence entre le clic et le cam? Parce que les deux, c'est au email, fait qu'il doit avoir une différence. Moi, c'est que je pensais que c'était vraiment deux compagnies différentes. Attends, ça, c'est Maple Leaf. C'est, cam, ouais, c'est, Maple c'est Leaf. Deux Maple Leaf. Ouais, cam, clic. OK. Cam, il y a du porc. Et des amidons et le reste. Il y a une seule sorte de viande. Fait que... Ouais. Poulet séparé mécanique, porc, poulet, eau. Fait que c'est ça. T'as deux sortes de viande dans le... Dans le cam. Dans le cam. Puis lui, c'est... Seulement du porc. Qu'on apporte une cervoise froide! C'est déjà très meilleur. Très meilleur. En sandwich. Parce qu'on s'entend, on mange pas ça tout seul, là. Mais t'sais, on voit... Je trouve que t'as une allure plus viande... Que l'autre. Le clam. Déjà, à l'œil, ça ressemble plus à de la viande. OK. Ouais. OK. Ben, ça fait déjà des meilleurs sandwichs, à mon avis. Ça? Le clic. Bon, je voulais pas me tromper. Le clic de Maple Leaf. Un genre, sandwich, tu te le tranches de même. Ah, ouais. Tu fais une tranche. Tu prends le temps de le sortir. Ben, sur la présentation suggérée, eux, ils vont en tranche horizontale comme ça. OK. Peut-être que ça se place mieux dans le pain. Ah, déjà, votre goût rendu là, on vous dira pas comment trancher votre jambe. Votre jambon. Tranchez pas votre jambe. C'est pas ça que je voulais dire. Faites pas ça. Je m'attendais à... Sérieux, je m'attendais vraiment à... Comme pire, comme texture, comme... En fait, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Fait que j'étais un peu... Non, mais mettons, je pense aux gars, là, où, ben, je dis les gars. Je pense aux gens, là, mettons, qui vont à la chasse ou qui s'en vont vraiment loin de la civilisation longtemps, là, quelques semaines, mettons, pis que t'as besoin d'avoir un peu de protéines, de la viande, autre que celle que tu chasses. Ben, peut-être c'est une bonne alternative pour ces gens-là, sinon. Pour les chasseurs, ouais. J'avoue. Ben, tu sais, les vacanciers, ou tu sais, comme ça, le holiday, mais... Définitivement un avance pour clic là-dessus. L'autre, le prochain, on a droit à c'est cam. Le cam. Donc ouais. Même marque, seulement mélange de viande, poulet et porc dans celui-là. Poulet porc, ouais. C'est pas moi. Moi j'aime pas ça quand il y a des petits motons comme ça. Tu regardes une tranche de bois puis un nœud dedans. Une tranche de bois? Une planche. J'ai-tu dit tranche de bois? Tabarouette. Une planche de bois, il y a un nœud dedans. Celle-là, on dirait qu'il y a un nœud dedans. Ah, oh, OK, ouais. Elle est moins bien mécaniquement séparée, celle-là. Moi, ouais, c'est le genre d'affaire qui m'écoeure. Comme un morceau de gélatine, genre. De... Elle sait pas c'est quoi. Elle veut pas être chier. Elle sait pas c'est quoi. Elle veut pas savoir. Chin. Vas-y. Trop d'or. Est-ce que c'est si différent? Ben, c'est bon. Je trouve bon, celle-là, moi. Le poulet, il fait un petit changement. Mettons, là, tu fais une petite réception. Personne ne voit les cannes, tu coupes ça en cubes dans un petit truc avec des fromages, ça passe pour de la terrine. Allô à l'arnaque? C'est des gars cheap! Fais-moi penser de pas aller à tes réceptions. Ouais, je suis allé chez un traiteur, veux-tu goûter ma petite viande? Ah, j'ai-tu dit ça de même? Aujourd'hui, les allusions. Mais, quand même, agréablement surpris. Donc ça, c'était le cam. Ouais. Vous vous rappelez, poulet et porc dedans? Mm-hmm. Comparé au clic qui a seulement du porc. Oh, great value! Great value. Ceux qui n'ont pas de budget pour leur emballage, on va se le dire, là, c'est... Ce sont pas tant forcés. Les canages. Tu vois-tu la différence? Ah oui! Il est comme rose, puis là, il est comme plus grisâtre. Alright! Oh, t'as bref. Ah! J'avais pas senti comme faux les autres, je pense. Qu'est-ce que ça sent?
Lui, il fait très poulet précieux. Lui, il fait très poulet précieux. Ben, poulet. Poulet séparé mécaniquement. Ça ben, poulet, porc, haut. Ouais. Ça roule en bouche. C'est encore... Il n'est pas très bon. Non. Non, mais si tu compares au Maple Leaf, celle-là, c'était le premier que j'ai goûté. So-so comparativement aux deux Maple Leaf. Là, ouais. Click et cam. À date, chapeau à Maple Leaf. Ouais. Ouais. Click et cam. Celle-là, je suis sérieux, je le finirai même pas. Ben, moi, ça finit là, quoi. Ben, Great Value, pensez-vous, on va le dire. Mais à toutes les fois, moi, je suis déçu par Great Value à date. C'est drôle, hein, Great Value. Soit c'est vraiment pas très bon, soit c'est très très bon. Donc là, on a Spam, produit américain. Je vous rappelle, hein, parce que Maple Leaf, c'est canadien. Mm-hmm. Alors, l'idée, je sais pas, ça vient d'où. Je connais pas ça, cette marque-là. Canadien aussi. Puis Great Value, ça. Great Value, aussi. Supposé. Spam aussi, on va avoir trois sortes de Spam à goûter demain dans une capsule. Canada. Demain, trois Spam. Trois ouais. Spam. C'est le seul qui a une canne comme des années 2000, on va se le dire. Ta-ta-da-da, ta-ta-ta. Une canne pleine de jus. Ah, puis tu l'attends, si tu le fais. Oui. Ah, il y a comme un cerne. Oui. Il est deux couleurs. Il est vrai. Tu sais, je suis malade, vous allez savoir pourquoi. Ça fait cœur. Ok, c'est cool. Le feeling de trancher non, quelque chose de semi-mou. C'est pas cool. Je lui. C'est le coin de la canne. Ah! Ah, mais quand ça sent le jambon. Ouais, ça sent vraiment le jambon. À eux, ils ont mis quoi dedans? Porc. Il y a seulement du porc dans celui-là. OK. À nos risques et périls. Ben, malgré le look. Mais c'est sûr, faut pas la juger, la viande séparée mécaniquement. Je te juge pas. T'es fine. Il est belle, il est vigne. T'as beau avoir des petits cernes, c'est pas grave, tout le monde a le droit d'être fatigué. Oui. Ben, il est bon. Après 4 cannes, ça commence à manquer de pain. Franchement. Agréablement surpris, first, du goût. Deuxièmement, texture qui me dérange pas tant que ça, que je m'attendais à de quoi qui serait vraiment horrible dans la bouche, okay. Motonneux, puis vraiment... Mais je donne une longueur de... Mettons qu'on parle part pour part, là. C'était clic. Le clic, le cac, le ouais. Clic. Ouais, c'est le clic. Ces deux-là, là, surprenant. Ouais. Surprenamment, très bon, en fait, au goût. Puis plus poulet, le poulet part pour le cam. Pour vrai, une belle alternative si tu veux pas manger que du porc, mais... J'aurais été curieux d'avoir juste un truc de poulet. Tu sais, pourquoi ils mélangent deux viandes? Quand il y a juste un poulet, genre. Ouais. Ouais. Hein? En tout cas. Vous autres, en mangez-vous de ça? Vous faites-vous des sandwichs avec ça? Camping? Quelles sont les bonnes raisons pour manger du cam, du clic, du coup, du clac? C'est pas clair. Le spam ou clic ou c'est égal ou. Oui, égal. Ok, tu veux qu'on ait un gagnant, c'est ça? C'est le fun quand il y a un gagnant. Okay. Maple Leaf, franchement. Moi, j'ai Maple Leaf qui... Genre, je vais y aller pour la marque plutôt que la sorte là, de la canne, mais pour vrai, Maple Leaf, je pense qu'ils ont une touch de plus. Moi, j'ai mes gagnants pour la viande moulée en canne. Grand gagnant. Maple Leaf, t'es d'accord avec ouais. Ça? Ouais, ouais. Les deux cannes, que ce soit porc et poulet mélangés. Donc, parlez-en nous de vos habitudes à vous, de viande en canne, en mangez-vous. Likez, commentez ça, partagez. Pendant ça, là, nous autres, on est!